mal, une voiture accidentée devant vous. Ok, j'y vais. Jacques Tron a été appelé sur une intervention. Il ne sait pas encore ce qu'il attend. Un témoin est sur place. Oui, bonjour, c'est vous qui avez signalé une voiture accidentée. Oui, c'est moi, oui. Donc, nous allons appeler une équipe d'urgence. Il y a deux véhicules accidentés. Nous retrouvons à présent Gérard, ambulancier. Ok, donc là, on est appelé sur une intervention sur l'autoroute 9. Donc ce serait un accident de la circulation impliquant deux véhicules. La police est déjà sur place et une autre unité d'urgence a été dépêchée. Donc on va passer par l'autoroute ici, c'est plutôt loin et plutôt vraiment au milieu de nulle part. Donc il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux à côté, excusez-moi. L'ambulance est rapidement sur place. Gérard peut se rendre compte de l'ampleur des dégâts et faire les premiers soins en attendant que l'autre ambulance arrive. Alors oui, je vois donc que c'est ici les deux véhicules accidentés, oui, donc c'est ça. Oui, monsieur, donc vous voyez un véhicule à gauche puis un autre à droite, voilà. La tâche ne s'avère pas facile. Gérard a vite besoin de l'autre ambulance. Heureusement, elle arrive bien vite. Voilà l'autre ambulance qui arrive. C'est un VSAV venant d'un autre hôpital non loin. Oui, bonjour, on est là. Donc, il y a les véhicules qui sont accidentés qui sont ici. Parfait, donc nous en occupons, ne vous inquiétez pas. Ah, je pense que bon, il est mort. Ouais, celui-là aussi, il est mort. Pas trop pouvoir s'en occuper, il va falloir l'hospitaliser en urgence, je pense que ça devrait être possible quand même. Mais son pouls est vraiment très faible, vous voyez, donc... Et sa respiration aussi, donc... Il y a peu de chances qu'on réussisse à le réanimer. Apportez-moi le défibrillateur. Donnez-moi le défibrillateur, s'il vous plaît. Voilà, le masque d'oxygène, allez-y. Bon, bah, on repart à l'hôpital, on l'amène en urgence. Gérard repart après peu de temps avec un blessé. Ouais, donc je pense sûrement, vu les marques au sol, c'est le véhicule. Puis l'autre ambulance fait de même. Donc c'est sûrement le véhicule gris qui a percuté le marron. Ouais, donc là il y a le véhicule gris, les marques au sol montrent que c'est le véhicule gris qui a très sûrement frappé l'autre véhicule. Vous pouvez le confirmer, monsieur? Ah oui, je vous confirme. Ah oui, lui est complètement rentré dedans là. Bam, c'était un carnage. Ah, et voilà la dépanneuse qui est là. Les dépanneurs arrivent vite et retire les voitures accidentées de l'autoroute. Bonjour. Ouais, donc c'est ce véhicule. Bon, je vais commencer par le gris, il est plus proche. Bon, je vais le mettre dessus. J'espère que tout se passe et que tout va bien pour les gens qui étaient dedans. Tous les deux décédés suite aux complications après l'accident. Le véhicule a été installé et emmené par le dépanneur. Ok, donc l'autre véhicule a été emmené. J'ai pris leur plaque d'immatriculation. Et nous connaissons le coupable. L'affaire est claire. Ouais, on va pouvoir vous laisser, nous avons pris votre déposition, monsieur. Ah, il se met à pleuvoir. Jacques Tron peut ensuite repartir.
Mais il est rapidement appelé sur une nouvelle intervention. Allô, ici au dispatch, on a une autre intervention. Une course-poursuite dans le centre-ville. Toutes les unités doivent être dépêchées sur place. Attention à la pluie et au risque de glisser.